Hello les loulous, alors on se retrouve pour ce deuxième épisode du Let's Play sur Ori and the Blind Forest. Ici Felharmonia et je vous souhaite bienvenue à tous. Donc on s'était laissé sur ce checkpoint. Donc on est justement d'aller au puits aux esprits pour sauvegarder la partie et régénérer notre vie. Donc là pour l'instant je ne peux pas accéder au truc qui est là-bas en haut à droite. Donc je vais repartir. Où est-ce qu'on en était? J'allais remonter là-dessus. Ah, pour sauter encore plus haut. Allez. Allez plus haut. Allez plus haut. Attention. Nickel. Il m'a rien fait. Je sais même plus ce qu'on était censé faire, je vous avouerai. Allez par là, c'est sûr. Ça, on avait déjà pris à l'ancien épisode. Merci pour les commentaires, hein. C'était vraiment sympa d'avoir des petits retours de ce que j'avais fait. Et d'ailleurs, il est temps que je fasse deux dédicaces. Alors je vais pouvoir passer par ici, maintenant que je peux tirer. Bim. Ouh. Donc première dédicace à Brandon. Aïe. Je me fais mal et tout, c'est n'importe quoi. Il y avait un truc là-dessous. Donc, Brandon, toi qui m'avais suivi, qui avait dit que c'était un bon épisode, si je me souviens bien. C'était vraiment sympa. Merci bien. Donc, appuie longuement sur ET pour saisir des objets et les déplacer. Ok. Si je tire, nickel. Nickel, nickel. Donc, je vais pouvoir passer par là. Tu as trouvé une pierre clé. Les pierres clés permettent d'ouvrir des portails aux esprits. Chaque portail aux esprits nécessite un nombre de pierres clés précis. Ça marche. Donc une pierre clé, nickel. On va pouvoir y aller. Alors attends, si je pousse ça par là, je pense que je peux aller là-bas. Je sais pas si c'est nécessairement intéressant. Ah si, bah je reprends de la vie, nickel. Alors en bas... Portail aux esprits. Ce portail aux esprits nous marre le chemin. Ces structures avaient été créées pour nous protéger avant le déclin. Les pierres clés dont nous avons besoin ne doivent pas être loin. Pour atteindre l'arbre aux esprits, il nous faut tout d'abord traverser les grottes mystiques qui se trouvent au-delà de ce portail. Nickel. Il y a besoin de combien de pierres clés? Il en manque une. Donc on reviendra plus tard. On va partir par là. Donc ouais, j'étais dans les dédicaces. Donc deuxième dédicace à Zoé. Zoé, demoiselle très sympathique. Qui a dit que ça faisait plaisir qu'il y ait une fille sur la chaîne et qu'elle était pressée de voir le deuxième épisode. Merci à toi Zoé. Et pas de soucis, je représente. Je suis dans la place. Je sais pas si ça vaut quelque chose, mais bon. C'est déjà ça. Alors pour l'instant, c'est le deuxième épisode, c'est assez tranquille comme truc. Hein. Deuxième pierre clé. À mon avis, on est bien. Non, pas besoin de vie, merci. Nickel. C'est parti, on a passé le portail. Donc pas compliqué comme je disais la dernière fois, il suffit juste d'aller chercher un petit peu ce qui se passe là-bas. Grotte mystique à gauche, bosquet creux. Je peux monter là-haut ou pas? Laisse-moi tranquille. Eh, je me suis même pas fait toucher, tiens. Bon, ça, je sais pas trop si c'est un truc méchant ou pas. Je peux casser ça ou pas?
Bon, apparemment non. Tant pis, on verra bien plus tard. Hein. Là-haut. Oh putain! J'avais pas prévu ça. T'es un peu mort, gars. Hey! Qu'est-ce que c'est? Cellule de vitalité qui accroît tes réserves de vitalité. Donc ouais, ça c'est ce qui nous permet d'avoir plus de vie, quoi. Eh ben c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ouf, je t'avais pas vu. Je t'ai niqué. Donc c'est parti pour les grottes mystiques. J'aime pas ceux-là, ils sautent partout là, comme des gros connards. Sombre fils de pute que tu es. Mais enfin... Grotte mystique. Je suis en train de remplir ma jauge en bas, c'est très bien. À mon avis, je peux descendre par là. Ouais. Aïe! J'ai un peu fait toucher. Ça va pour l'instant, je me sens bien. Là, il y a de la vie, je crois. Bien, ouais, je. Est-ce que je redescends encore? On va aller voir en bas. Eh, je commence à acquérir des réflexes, les gars! Je ne sais pas du tout où je suis. Hey! Ori, ceci est une pierre carte, l'une des nombreuses bornes utilisées jadis comme point de repère dans la forêt de Nidel, qui ne cessait de s'étendre. Il en manque un morceau, si nous parvenons à retrouver un fragment de pierre carte, nous pourrons peut-être la reconstituer. Pour l'instant, on n'en a pas, hein, donc de base, ça va pas être possible. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc ça, c'est pas de la pierre carte, là, c'est de la pierre portail. Je sais plus comment ça s'appelle. T'es un salaud, toi. Dégage. Appelle ta mère. Et pleure, mon enfant. Car Ori est là. Il est Ori. Bilan. Petite blague. Attention. Ouh, la musique est vachement forte. Je n'entends presque plus rien. Alors... Ouais. Il a l'air d'avoir rien à voir là. Je peux le. Ah, je peux attaquer ici. Très bien. Ah, mais je peux pas remonter, récupérer. D'accord, je suis bloqué. Bah, c'est très bien. Bon, eh bien, descendons. Quand tu peux pas monter, on descend. Nickel. Aïe, ouh. J'ai tout niqué d'un coup, j'ai pas compris ce qui s'était passé. Point de compétence. C'est ça? Je sais même pas. Ah, donc faut que je sauvegarde donc avant d'avoir mes points de compétence. On va sauvegarder là, hein. Allez. Allez. Parti sauvegarder. Alors, B, point de compétence. Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué au dernier épisode, hein, donc on va pas revenir dessus. Est-ce que je peux avoir encore au niveau attaque? Flamme étincelante augmente la puissance de la flamme spirituelle. Allez! C'est parti! Parti, gars. Apparemment, il y aurait moyen que j'en augmente un autre.
Alors ça, c'est les objets. Ouais, moi, ça m'intéresse pas plus que ça parce que j'ai l'habitude des jeux de plateforme, donc je sais que les objets, j'arrive à les trouver à peu près. Réutiliser des liens d'âme et réduire le temps de recharge. Ouais, bah vas-y. Allez, nickel. Ok. Là, on est bon. Ah, ça, c'est de la vie. Ouais, ça me sert strictement à rien. Parce que comme je suis trop une warrior, hein, comme vous pouvez le remarquer, je suis là à la fraîche. J'ai des vieux réflexes de merde. À la fraîche, frère. Fraté. Alors, qu'est-ce que je fais là? Certains gardèrent espoir, refusant ce destin. Donc là, c'est Monsieur l'Arbre qui me parle. Pas du tout schizophrène, c'est pas du tout ça le problème. Alors même qu'elle les massacrait un à un. La lumière de l'arbre aux esprits brille en chacun de nous. Il nous a permis de vivre et de nous épanouir. Lorsqu'il y a tant d'années, il a demandé à ce que nous te retrouvions. Nous avons été attaqués, blessés, décimés par notre ennemi. Ne reste d'eux que ces arbres ancestraux. Approche et absorbe la lumière de Phil, l'esprit qui gît à l'intérieur. Eh bien, absorbons! Que dire de plus? Yes! Tu maîtrises le saut de mur. Pour utiliser cette compétence, utilise direction en direction du mur et appuie plusieurs fois sur A pour bondir vers le haut. Yes, bah ça va me permettre de remonter de l'autre côté. Est-ce qu'il y a des trucs par là? Ouais! Nickel, donc là il y a juste à aller vers le mur et à sauter en fait, appuyer sur A. Tu as trouvé une cellule d'énergie, tu peux à présent consommer plus d'énergie, utiliser cette ressource pour sauvegarder, donc comme on disait jusqu'à maintenant. Ouais, bon, ok. Donc j'ai deux liens d'âme en bas, hein, je peux sauvegarder. Après, j'ai sauvegardé il y a pas longtemps, je vais pas non plus. Vu que pour l'instant, je m'en sors pas trop mal. Ok, donc ouais, ça nous permet de remonter jusqu'à là-bas. Nickel. Oula, j'ai failli me faire nickel. Hein. Fait n'importe quoi. De la vie. Ouais, non, merci. Ah mince, bon, peu importe. Alors ce qui est assez difficile, c'est que c'est pas forcément easy en fait de sauter comme ça. Ouais, quel salto, merveilleux. Je sais pas, ça a quelque chose, il faut vachement appuyer sur A en fait. C'est assez chiant en soi. Mais bon. Merde, n'importe quoi. Ça fait mal, je sens. Je vais essayer d'aller à ton récupérer ça. Ouais, nickel. Où est-ce qu'on en est? À gauche là-haut, du coup, j'y ai jamais été. Ouh, putain, tu me casses les couilles. Va niquer ta grand-mère. Ok, les ombres et tout, c'est sympa. Ça m'attaque pas. Nickel. Ce petit bruit. Donc là, tu fais marcher ta... Y'a un truc là, non? Ouais. Ok, je sais pas ce que j'ai récupéré, mais je l'ai récupéré. Là, tu fais marcher ton cerveau, frère. Et tu pousses cette putain de pierre. Pour monter. Sinon, tu montes pas. Voilà, même avec la pierre, tu montes pas. Super, merci. Fin de soirée, les gars. Je fais n'importe quoi. Pourquoi j'arrive pas à monter? Oui, mais je sais. Moi, je vais la pousser plus près. Je pense que ce sera plus simple. Voilà. Forcément. Bien vu l'aveugle. Oui, j'adore cette expression, ça veut tellement rien dire que je trouve ça assez fun. Alors,
Oui, alors comme effectivement au tout début quand j'ai essayé ce jeu, j'ai tellement kiffé que j'arrivais pas à m'arrêter, donc j'ai déjà fait ce petit passage. J'ai compris qu'il fallait s'arrêter là pour ne pas avoir mal. Donc je vous passe toute ma réflexion pendant 15 ans, genre, faut faire quoi? Ouh, j'étais prêt. Ah d'accord. Ouais bah tu sautes comme une pourrie, tu te fais niquer, Morgan. Yes! Pour saisir des objets et les déplacer. Ouais, bah si tu veux. Allez! Pas de soucis. Alors qu'est-ce... À quoi ça m'avance d'avoir bougé ce tronc d'arbre? Je ne sais pas. Genre je pouvais pas passer avant peut-être? Je sais pas. Je peux niquer d'ici. Oh! J'en ai attrapé la moitié en vol, c'était beau. C'était beau. Ouh! Faut taper toi, non? Juste récupérer. Tu as trouvé un fragment de pierre carte, comme disait tout à l'heure. Je peux développer... Débloquer une nouvelle carte. Ouais, non, bon, ok, autant pour moi. Ouh! J'ai fait n'importe quoi, mais je l'ai niqué en route. C'était sympa. Dac, dac. Je t'avais pas vu. Je t'avais pas vu. Il saute partout comme ça là, est-ce que c'est ton habitude mec de sauter comme ça? Tu te sens bien quand tu fais ça? Et quoi? Je fais n'importe quoi, j'ai niqué 2 points de vie hein. Comme à la maison quoi. Je me sens un peu trop chez moi ici. Un peu n'importe quoi. Alors moi je propose quand même de sauvegarder un coup. On sait jamais. Ouais mais des points de compétence j'en ai pas des nouveaux, ça sert à rien que je l'ouvre en fait gars. Enfin, je crois. Le fail qui sert à rien. Excusez-moi. Alors. Bon bah jusqu'à maintenant, on se balade un peu. Hein. Voilà. Pour le plaisir de te niquer. Y'a un truc là-haut. Ouais! Je sais pas ce que c'était, mais j'imagine que c'était important. Du coup, j'essaye de monter partout, tu vois. J'ai le réflexe de Rayman de chercher un peu partout. Alors, par contre, je sais plus par où il faut partir en soi. Donc j'imagine que déjà ce fragment de pierre carte, il va falloir en faire quelque chose. Dans l'idée... Je t'ai niqué ta gueule. Ouais voilà. Il y en avait un par là d'ailleurs. Je crois. Ok. Ok ok. Toi tu bouges pas. Tu bouges jamais de toute façon. Ah merde, j'ai quand même. Je dis ça, je dis rien, hein. Je fais style tout va bien, mais il me reste plus qu'un point de vie. Je vais éviter de me faire surprendre par un truc chelou. Je me souviens plus du tout de ce qu'il y a là. Ah, de la vie. Nickel, j'ai récupéré de la vie. Ouais, je me suis fait niquer quand même. Hein. Ah ouais, donc apparemment quand tu tues des ennemis, il y a des moments où tu récupères de la vie aussi. Là c'est sûr que là, je récupère de la vie aussi. Nickel. Ouais, sauf que la pierre carte, elle était où? C'était... Non, c'était pas là. Mais je te nique si tu veux. Pas de soucis. Je pense que j'ai loupé un truc. À mon avis... Excusez-moi.
excusez pour la fatigue, j'ai beaucoup bossé aujourd'hui et là je fais n'importe quoi. Oui monsieur, je fais n'importe quoi. Pas confiance hein, c'est à dire que ouais non la pierre carte elle est pas du tout là hein. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ça autrement hein. Ce moment de perdition est assez incroyable mais moi j'ai vraiment le souvenir quand même que c'était en bas hein. Alors bon j'ai des informations et des informateurs qui ne sont pas trop sûrs de ce qu'ils disent hein, parce que je passerai les noms. Ça dégage. On est d'accord. C'était bien là. Je ne donnerai pas le nom de celui qui m'informe mal. Hein. Je suis pas une fille comme ça. Je prends une meuf comme As. Ok, alors clairière engloutie 65%. Objectif trouve l'arbre aux esprits. Donc là, j'ai réaugmenté le. De la carte. Oh, il y a un truc joli là-bas. Enfin, apparemment, dans l'immédiat, je peux pas y aller. Hein. Peut-être qu'un jour, je vais pouvoir défoncer les murs, je ne sais pas, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc là, pour l'instant, on a tout fait. Besoin de vie, non. Je viens de traverser... de traverser cette plateforme. Je sais pas comment ça se fait, mais... besoin de vie non plus. Alors, nous remontons là-haut, nouvel endroit où on n'a jamais été. Ok, j'imagine que ça fait mal, et on ne peut pas l'attaquer, hein. Comme vous voyez, c'est mort, quoi. Donc ça veut dire que ça, c'est un putain de moment de réflexe. Ouh, je me fais pas toucher. Là, si. Ok! Moi j'ai deux liens d'âme d'avance, alors je vais pas faire la conne. Je vais sauvegarder ma partie ici. On ne sait jamais. Stratégique, hein, la sauvegarde. Ouf! J'ai l'impression de faire de la corde à sauter, les gars! C'est assez violent. Nickel. Jusqu'à maintenant, on est bien. Il y a de la vie là en plein milieu, le truc, l'endroit super facile. Hé! Hey. Là, on est... Ah mais non, on n'est pas bien. Je ne sais pas comment j'ai fait ça, mais je l'ai fait. Je me suis un peu fait niquer la gueule quand même, mais... Qu'est-ce qu'il y a là? Hey! Il y a de la vie, déjà. Et ça, c'est quoi? Ces portails d'énergie ont scellé par les... ont été scellés par les esprits du passé. Si nous récupérons assez de cellules d'énergie, nous pourrons les traverser. Ok. Ça veut dire pour l'instant, c'est mort, quoi. Si je fais X. Non, il m'en manque 3. Eh, il y en a une, là. Il y en a une, là, les gars. Moi, je vais redescendre. Non. Non, je vais redescendre plus tard. Je vais redescendre plus tard, les gars. Je vais d'abord... Qu'est-ce qui se passe là-bas? Là, je peux rien attaquer. Je passe comment? À mon avis, je peux pas passer pour l'instant. Il doit y avoir des sauts plus longs ou quoi. Mais là, c'est sûr qu'avec les sauts que j'ai maintenant... Ah, je pouvais passer là? Non, je pense pas. Donc... Hey! Je récupère des trucs, je suis contente. Alors, on évite les trucs roses. Ok. Alors, ce que je vais faire, je vais aller à droite avant. Le lien d'âme est prêt.
Ouais, mais je m'en tape, mec. Hey! Bien, ouais. Merci, Guillaume. Il me fait des signes à côté. Hey, regarde! Parce que c'est vrai que je l'ai fait la dernière fois en plus. Et la pierre, je l'avais déjà pas vue. Mais là, je n'ai pas eu le souvenir. Oh, monte vite, mon gars. Monte vite, putain de merde. Bon, c'est pas grave. Ouais, enfin, c'est pas grave, j'ai plus ça qu'un. Putain. J'ai qu'un point de vie. Et il m'en manque une. Et merde. Et merde, et merde. Bon, c'est pas grave. Alors là, il faut pas que je meure et que j'ai de la vie. Qui est là-bas à gauche, comme vous voyez. Bon, on va tester, hein. Franchement, on va tester. Ouh, putain. Recrache ta machin, là, meuf. Alors, ce qui est chiant... On avait vu des petits commentaires de gens qui avaient déjà essayé de ce jeu et qui disaient tu saignes des doigts. Et je comprends pourquoi, parce qu'en fait, là, pour rester à ce niveau-là, par exemple... Eh merde, putain, je suis morte. Casse les couilles. Pour rester à cet endroit-là, on a besoin de sauter vachement. C'est vachement chiant. En vrai, c'est vachement relou. Il n'y a pas un seul... Enfin voilà, on n'est pas en train de faire un A et ça marche quoi. C'est... Non, c'est pas du tout ça. C'est... Faut vachement appuyer quoi. Et ça peut être parfois un peu chiant. On dit... Donc ça c'est le portail aux esprits qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Voilà, le gars il va me redire le truc. Je vais le passer, hein. On va peut-être pas non plus... On n'a pas assez d'énergie, machin, on le sait. Putain, y'a un truc en dessous, là, aussi. Non, moi, je peux pas y aller. Autant vous dire que je ne peux pas y aller. Donc là, je pouvais pas y aller non plus. Non, non, mais franchement, après, je pense que je m'en sors pas trop mal. Là, je suis un peu morte comme une merde, mais... Allez, les gars. Allez! Oh! La fatigue! Hop! Donc là, on se souvient... Je vais pas remonter là-haut, hein. On se souvient que, de toute façon, je n'ai pas assez de clés, de... etc. Hop, nickel. Ah merde, j'avais déjà toute ma vie, autant pour moi. C'est dangereux, là. La meuf qui passe autour plein de fois, quoi. Je suis à côté, tu sais. Et du coup, j'ai déjà pris la vie, donc ça sert à rien. Donc là, j'ai plein de petites clés. Je vais pouvoir remonter là-haut. Descends. Yes. Allez, monte plus vite, parce que, gars, tu vas te faire tuer. Nickel. Et j'ai tout! Donc je peux rentrer là-bas. Ok, ok. Donc, alors attendez, on va juste. Avancer un tout petit peu. D'accord, j'ai grave pas confiance. Je crois qu'il y a une cinématique là. Je vais essayer de. Bon, finir ça. Ils me trouvèrent inerte, immobile, accablé. Donc je peux pas, de toute façon je peux pas sauvegarder là, ok, super. Je peux aller là. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je peux pas y aller. Nous fîmes à Ori le récit de sa volonté dévoyée. Ok. Nickel. J'ai fait sur X là. Ah non, autant pour moi. Okay.
l'arbre aux esprits, il a dû puiser dans le peu d'énergie qui lui restait pour te sauver. Approche, écoute notre histoire. C'était le soir de la cérémonie des lumières. Comme élaborer notre éclat. Waouh. Alors là par contre c'est super beau qu'on est bien. J'appelais en vain mon enfant pour que me revienne Ori. Par contre c'est magnifique hein, franchement. Moi je reste. Toi t'es un vilain. Toi t'es pas gentil toi. Non. Oiseau de malheur, rends-moi cette lumière parlante. Kuro s'était emparé de Sein, scellant notre destin ainsi. Ok. Pour toi, l'oiseau de malheur, là, tu. T'es comme As, toi, t'as cassé le truc, pas de soucis, quoi. Tu as reçu la lumière de l'arbre aux esprits, notre sort est entre tes mains. Écoute-moi attentivement, c'est de la plus haute importance. Bah, dis-moi. L'arbre aux esprits alimentait les trois éléments de la lumière qui à leur tour maintenait l'équilibre de Nibel et protégeait la forêt. L'élément des eaux, à la cime de l'arbre de Ginso, je sais pas si je prononce comme il faut, mais... L'élément des vents dans les profondeurs des ruines éplorées. Et l'élément de la chaleur sous la fournaise du mont Oru. Que Nibel retrouve toute sa splendeur, nous devons raviver leur lumière avant qu'il ne soit trop tard. La première se trouve par-delà la crique arachnide. Ça sent l'araignée. Moi, je suis pas. Non, je suis pas trop d'accord. À la cime de l'arbre d'où jaillissaient autrefois les eaux. Tac. Marée Malépine. Objectif : trouve l'arbre aux esprits. Ok. Clique sur X pour sauvegarder la partie. Nouvel objectif, trouve l'arbre de Ginso. Donc maintenant, je peux cliquer sur X. La partie est sauvegardée. Et ben les enfants, c'est là que je vous quitte. Là, j'ai recueilli plein de petits liens d'âme pour sauvegarder, mais j'en ai pas eu besoin de tant que ça. Donc c'est nickel, ça me permettra d'ouvrir des portes apparemment. Et bien, je vous laisse ici. J'espère que ce deuxième épisode vous a plu. J'ai essayé de remonter le micro un peu comme on m'a dit pour pas qu'il y ait trop ce bruit de souffle qui grésille là, qui est assez désagréable. Donc dites-moi si c'est mieux. Et sinon, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, à mettre des commentaires, me dire comment c'est, s'il y a besoin de plus de X choses, il y a pas de souci, je peux m'adapter. Et puis abonnez-vous si c'est pas déjà fait parce que allez découvrir mes autres vidéos, GTA, tous les autres gameplays qui sont vachement intéressants. Et bah écoutez, je vous fais des gros bisous et puis à bientôt les loulous, ciao !